j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit en fait d'une revue et des swatchs de ma petite collection MAC. Donc j'en ai pas énormément, mais bon, j'en ai quand même 11, donc ça fait une petite collection quand même assez sympa. En fait, sur ma vidéo haul New York où je vous montrais les deux achats que j'ai effectués en partant, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo spéciale rouge à lèvres MAC. Vous m'avez répondu oui, donc voilà, je m'exécute, je vous la fais avec grand plaisir, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous les swatcher sur mon bras et je vais également vous montrer le rendu sur mes lèvres. Mais je vais quand même faire une petite aparté pour vous les présenter brièvement pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc, les rouges à lèvres MAC se présentent comme ceci. Donc, c'est un petit emballage noir tout simple. Et il y a aussi souvent des éditions limitées, donc comme celle-ci par exemple. Donc moi voilà, j'ai que celle-ci en édition limitée, mais je sais qu'il y en a quand même assez souvent. Donc ils coûtent 19€ l'unité si je dis pas de bêtises, et moi personnellement je les achète sur le site internet puisque je n'ai pas de MAC en Corse. Pas de soucis au niveau du site, ils livrent très rapidement, en 2 jours ça arrive dans ma boîte aux lettres, c'est assez fou. Les frais de port sont pas excessifs, il n'y a pas de frais de douane ou quoi que ce soit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez MAC il y a différentes textures de rouge à lèvres. Alors je pourrais pas toutes vous les citer, je vais quand même les chercher puis je vous mettrai une petite photo si jamais. Mais en fait c'est assez important quand même de regarder les textures avant d'acheter votre rouge à lèvres. Bien sûr la couleur compte évidemment, mais faites attention aussi aux textures parce que je vais vous en déconseiller une que je n'aime pas du tout. Donc pour ma part, au niveau des textures, j'ai du rétro mat. Donc ça c'est un mat vraiment, c'est celui que je porte ici, donc il est vraiment très mat. Là je porte le Ruby Woo, très mat, pas du tout de brillance, il va assez bien tenir. Ensuite j'ai le mat, donc ça c'est pareil, c'est très mat également et ça tient plutôt bien. Mais c'est un petit peu moins sec que le rétro mat. Ensuite qu'est-ce que j'ai comme... Alors ensuite il y a les textures amplified. Donc celles-ci elles sont plutôt très crémeuses et brillantes. Ensuite il y a les textures satin. Donc pareil elles sont plutôt crémeuses aussi, un petit peu brillantes mais pas trop. Je pense que c'est celles que je préfère avec les mats. On a fait le tour de celles que j'ai. Donc moi j'ai la matte, la rétro matte, la Amplified et la Satin. Donc moi personnellement il y a une texture que je vous déconseille, c'est la Rétro Matte. J'en ai deux pourtant puisque ben j'avais pas fait attention particulièrement aux textures. Et donc j'ai le Ruby Woo, celui que je porte ici, et le All Fire Up. Donc je vous déconseille les Rétro Matte. Puisque donc comme je vous dis j'en ai deux et je trouve qu'ils sont absolument pas confortables du tout. Donc déjà je trouve qu'à l'application mais c'est une horreur. Ils sont secs, ils assèchent la bouche, enfin j'aime pas du tout. Donc je les regrette un petit peu et je les mets très peu parce que voilà j'aime vraiment pas cette texture. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser du fait qu'ils soient vraiment très mat, on dirait qu'ils ne vont pas baver. Et en tout cas pour le Ruby Woo, je trouve qu'il bave énormément dans les petites plis de la bouche. Donc du coup je vous conseille de les mettre avec un crayon obligatoirement parce qu'il va vraiment beaucoup baver et j'aime pas trop le résultat. Donc peut-être que c'est propre à moi, je sais pas, mais en tout cas moi sur moi il a tendance à partir dans les petites commissures. Et surtout voilà c'est un rétro mat et j'aime pas du tout cette texture vraiment sèche. Pour l'appliquer j'ai vraiment l'impression d'avoir un vieux rouge à lèvres tout sec et qu'il faut vraiment gratter pour l'appliquer. Enfin je suis pas du tout fan de cette texture et du coup je vous la déconseille. Par contre les textures que je préfère pour ma part ce sont les mats. Donc c'est un petit peu comme les rétro mats, c'est un rouge à lèvres mat qui ne brille pas, qui tient extrêmement bien. Pour le coup ceux-là je trouve qu'ils ne bavent pas trop dans les petites commissures, donc je les aime bien. Et surtout ils n'assèchent pas la peau, ils sont quand même assez crémeux et assez faciles à appliquer contrairement aux rétro mats qui sont vraiment hardcore. Et mon autre texture préférée donc c'est les satins. Ils sont entre le amplified et le mat je trouve. Donc ils sont assez crémeux à l'application, ils ne sont pas très brillants mais un petit peu quand même. Hein, c'est beaucoup plus, ils sont pas mat du tout mais... C'est pas très brillant, c'est pas choquant. Donc j'aime beaucoup et ils ont une très bonne tenue également. Donc voilà, ma deuxième texture préférée, on va dire que c'est les satins. Donc pour résumer brièvement, je vous conseille les mats et les satins, les Amplified également. Je vous déconseille les rétro mats qui sont pas très agréables à mettre et à porter et qui ont plutôt tendance à baver un petit peu. Donc voilà,
un petit peu moins fan. Au niveau de la tenue, les rouges à lèvres MAC, je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien. Que ce soit les mats ou même les satins, je trouve qu'ils tiennent assez bien quand même comparé à d'autres rouges à lèvres. Donc j'aime beaucoup. Les mats, évidemment, ont une tenue beaucoup plus importante que les autres. Les satinés, les amplify, il faudra refaire des petites retouches au cours de la journée. Un mat, il peut tenir facilement une demi-journée complète, la matinée ou l'après-midi. J'ai pas beaucoup de soucis là-dessus, donc j'aime beaucoup. Voilà pour cette brève petite présentation. Je vais vous laisser tout de suite avec les swatchs. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura peut-être pu vous aider à vous choisir des petites teintes ou même à vous faire un avis sur les rouges à lèvres MAC. Et si vous avez déjà des rouges à lèvres MAC et que vous en avez un que vous aimez particulièrement et que vous avez envie de me conseiller, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serai ravie de découvrir de nouvelles teintes puisque j'aime quand même beaucoup cette marque de rouge à lèvres. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!